Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 18 de City Skylines. Et une fois n'est pas coutume, on commence direct dans la ville, puisque comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'enchaîne les deux. Donc du coup, voilà, je me suis pas fait chier à retourner au menu principal, ne m'en voulez pas. Bien, dans l'épisode précédent, on avait regardé un petit peu le trafic ici, qui en tout état de cause ne s'améliore pas. Donc du coup, va falloir qu'on prenne des mesures drastiques, je pense. Ah, je sais pas ce qu'on va faire, on va se débrouiller, on va trouver quelque chose. Ici du coup on a corrigé le problème qui avait été soulevé par Sébastien, et je tiens encore une fois à t'en remercier, parce qu'en effet il y avait un problème déjà il y a un problème de cohérence là, parce que les routes ne sont pas les mêmes, mais il y avait un problème en effet de sens unique. Il y avait un sens unique foireux ici, je sais pas pourquoi. Faut pas m'en demander des fois, je sais pas ce qui se passe dans mon esprit, des choses étranges. Bien, on avait continué aussi notre île, qui a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas assez de clients sur cette île pour l'instant. C'est pas un drame, il y en a quelques-uns, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 commerces qui ont ce problème-là. Donc c'est pas un drame, ça va s'améliorer, il faut juste qu'on ait un petit peu plus d'habitants. Chose sur laquelle on va travailler immédiatement. Comme ceci. Alors du coup ici c'est pas la peine. Je suis en train de penser. Parce que on va mettre notre garde, donc ça sert à rien. Ici on va en mettre encore un petit peu. Voilà, on va même aller. Ah regardez ce qu'on va faire. On va faire une toute petite route ici. En mode pépère sur la plage. On va même mettre un chemin en terre, mais c'est pas beau les chemins en terre dans ce jeu. Ah, je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas beau, c'est pas très beau. C'est pas très beau. C'est pas très isolé. Par contre, je voulais déplacer l'hôpital. On peut pas. On peut pas. Bon, c'est pas grave. On va se faire une petite route. La petite route au bord de la playa. Genre trop classe. Et ici, on va se mettre. Ah non, vous savez ce qu'on va se faire? On va se faire un petit kiff. Voilà. Un petit kiff. Et il faudra que je regarde après pour voir si on peut pas avoir des jolis arbres. Chose comme ça. On va se faire un petit truc. Un petit truc sympa. En mode on se fait des kiffs. Bon, on va voir, je le finirai plus tard ce truc, mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Regardez, après. Ah, il fait beau. Ah, des éoliennes. Ah, qu'est-ce que c'est beau comme pays. Oh, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, eux. Ah, bah ouais. Bah, en fait, on a que des emplois surqualifiés maintenant. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va faire une petite. On va se faire une toute petite zone résidentielle ici, mais genre rikiki, hein. Tu vois, genre un tout petit truc. Comme ça, ils vont pouvoir avoir des gens pour bosser en mode. Bah ouais, c'est le problème dans ce jeu, je vous en avais déjà parlé, mais du coup, en fait, au bout d'un moment, on a trop de gens. On n'a pas assez de gens non qualifiés, du coup, ben. Tous les bâtiments qui requièrent des gens non qualifiés, eh ben, ils se retrouvent dans la merde. Voilà, parce qu'ils ont pas assez de. C'est où l'éducation? Et ouais, vous voyez. 100 quoi? Sans instruction, 9%. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Ouais, ouais. Mais bon. Du coup, c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que du coup, on a ce problème là de. Voilà, ils vont tous crever parce qu'il n'y a pas assez d'habitants. Ils sont tous éduqués, du coup, ils vont tous bosser dans les bureaux. Le problème, c'est que du coup, ben. On fait comment? Voilà. Donc, c'est pas cool. Là, on va avoir des problèmes. Là, on va bientôt avoir des problèmes. On va vite falloir mettre des transports après, parce que là, ça commence vraiment, hein, ça commence à prendre forme. Mais beaucoup. Du coup, on va mettre des petites, mais pas des grosses maisons. Là, on va juste se contenter de petites. J'aime bien faire comme ça, bon, en bord de mer. Garder quelque chose de sympa. Donc, du coup, on avait dit ça comme ça. Et ici, on va se mettre des commerces ici. Mais du coup, pareil, pas des gros commerces, des petits. Parce que c'est la plage quand même, c'est la fin, la plage. C'est les rochers, mais quand même. Hein. Voilà, il manque une plage d'ailleurs dans le jeu. Et en fait, il manque plein de trucs dans le jeu finalement. Plus je joue, plus je me rends compte que ouais, il est bien, mais on sent qu'ils étaient que neufs pour le faire, quoi. Parce qu'il manque quand même énormément de choses.
Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. On verra un petit peu ce que ça donne. Bon, on a toujours de la demande résidentielle, donc on va continuer à zoner. Arrête. On zone, t'as vu. N'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Hop là, voyons voir un petit peu. Bon, ça va se faire. Pendant ce temps-là, on va continuer notre chose ici. À laquelle je n'avais pas du tout pensé quand j'ai mis ces choses derrière. Bah écoute, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux. Il est con ce Alex, hein. Pas d'autre mot. Hein. Bon bah allez, hein. Ça va être la merde, les amis. Là, je vous le dis tout de suite. Là, j'aurais kiffé avoir des tunnels. Mais vraiment. Et on peut même pas se mettre là comme ça. C'est de la folie. On ne peut pas à cause de ce machin. C'est quand même pénible. Pourtant, je le touche pas, quoi. Hein ? On est d'accord, c'est chiant. J'en ai marre. Bon, on va démolir tout ça et on va le faire. On fera la route après parce que le truc principal important quand même. Donc, on va virer tout ça. Voilà. On va se faire notre train et ensuite on fera la route. Et oh, hein, tu vas pas m'emmerder longtemps, hein, je te le dis tout de suite. Voilà. Et là il va pas vouloir continuer puisque... Gna gna, je touche. Pff, chier. C'est quoi son problème là? Vous voyez, des fois, le jeu il est quand même pénible des fois. Hein. Il est pas permissif des fois. C'est un petit peu. C'est vachement dommage. Là, j'ai peur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Que j'allais avoir peur. Et voilà. Là, il veut pas. Parce que la voie ferrée passe un tout petit peu en dessous du machin. Et du coup, non, non. Pas moyen. C'est quand même pénible. Hein. C'est quand même pénible. Bon, du coup. Du coup, est-ce qu'on se ferait pas notre voie ferrée Non, on va continuer à faire en surélevé, hein, comme ça, jusqu'à là-bas. Ta-da-da. Nanana. Oui, elle est pas centrée, je sais, mais bon. Du coup, on va faire comme ça. Et là, vous voyez que j'aurais bien aimé, ce que je vous disais l'autre jour, c'est que j'aurais adoré pouvoir surélever ma gare ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que là, du coup, je vais devoir baisser ma ligne de chemin de fer et c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu cette gare. C'est quoi, il n'y a qu'une voie. On va essayer celle-là, elle a l'air d'être sympa, cette gare. On va se mettre une route. J'ai main qui me gratte. Je sais pas pourquoi. On va essayer une route. Je vais juste essayer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis. Et puis on va voir. On avisera. Alors, à quoi elle ressemble cette gare? Ah. Oh, elle est pas dégueu. Ça fait. Bon, par contre, ça fait bizarre. Hein. Le toit en vert là. Je sais pas pourquoi il brille comme ça. Le toit, on dirait qu'ils l'ont verni. Ça fait un drôle d'effet. Mais ouais, elle est jolie. On va la laisser. Ça fait pas très moderne, cela dit. Cela dit, on pourrait dire, ça va être ça l'histoire. C'était une petite île et tout, et puis finalement ils l'ont modernisé, ils ont dit tiens on va garder la vieille gare au milieu. Et puis voilà, je pense que ça va être ça l'histoire. Ouais, c'est dommage. Il manque énormément de gares, j'aimerais bien. Faites des gares les gens, parce que c'est vrai que il y a celle-ci après, mais elle est petite. C'est celle qu'on a mis là-bas, et ouais, ça suffira pas, c'est là il faut une grosse gare, je pense qu'on aura pas mal de trafic. Donc ouais. Ouais, c'est vrai, j'aurais bien aimé... Ouais, pas bien centré en plus là. Hein. Ouais. J'aurais bien aimé avoir une gare un petit peu plus moderne, c'est vrai. Mais bon. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Mais je suis pas capable de faire ça. Enfin, si je m'y mettais, je pense que je pourrais, mais... Oh, j'ai déjà trop de trucs à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse des mods? Qu'est-ce que tu veux? Ok, donc là, là c'est mort, cela dit.
Eh oh. Cogno. Ok, donc dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Mais dans l'autre, non. Comment te dire? Donc là, vous voyez un petit peu mon... Putain, j'ai fait tout mon truc, je vais voir tout péter, quoi. Ça fait chier. Pas d'autre mot. Voilà. Bon, du coup, la route, je sais pas où la faire passer. Hein. Ça va être bizarre, mais bon. Pas le choix. On va faire aller notre chemin de fer. Et du coup, on va la mettre où, notre gare, là-bas, après? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais alors là, aucune. Ah, bah si, regardez, on va la mettre comme ça, finalement. Regardez. Juste là. Là, au plus proche, on pourra la mettre. Là, ça va péter un bâtiment... Tac. Est-ce qu'on la mettrait pas comme ça? On va la mettre comme ça. Ah, en plus, du coup, les gens, quand ils arrivent ici... Ouais, c'est bien. Ils arrivent là. Ils peuvent faire le tour. Voilà. Alors, j'ai un peu peur sur le rail, là, qui est un petit peu... qui est vachement proche de la route. On va voir si on peut le relier. Là, je... Franchement, j'en ai aucune idée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai peur. Ah, si, regardez. Est-ce qu'on ferait pas... ouais, non, on peut pas le faire en élevé, ce carrefour-là. Bah non, ça serait complètement ridicule. Donc on va faire comme ça. C'est pas mal. Pente trop inclinée, cela dit, c'est logique. J'ai dit beaucoup cela dit en fait, je suis en train de me rendre compte. Ok, alors là ça va être la cata à faire ce truc. Mais assez quand même. Et de là... oui, c'est bon. C'est limite, hein. C'est vraiment limite. Mais du coup, on a notre système, là. Du coup, on a la gare. Donc du coup, on va avoir une gare ici assez accessible. On va mettre des chemins de piétons. On va avoir une gare ici qui va permettre d'accéder partout ici. Et une autre gare ici. Ensuite, on va relier notre système. On a une gare... Non, on n'a pas de gare ici, finalement. On en a une ici, une là-bas. Et du coup, si je fais... On va faire une ligne qui fait comme ça, comme ça, comme ça, jusque là-haut. Et on va faire... Donc on a une ligne qui fait comme ça, et je pense qu'on va en faire une qui part de là et qui va là-haut. On va faire ça immédiatement. Alors, création des lignes. Donc on veut une nouvelle ligne qui va jusque ici. Ici. Ici, ici. Hop, oula. Ils sont tous contents. Hein. Terminer les lignes. Voilà. Ensuite, on voulait une ligne qui partait de là-haut. Qui s'arrête ici. Ça fait de l'effet, la gare, mon pote. Hein. Ça fait de l'effet. On a une gare ici et une gare ici. Et ensuite, on va la faire faire demi-tour. Voilà. On aurait pu la faire passer par là-bas, mais non. On va dire que non. Et voilà. Et du coup, on devrait bientôt avoir notre train. Donc ici, la gare, elle, pour l'instant, elle n'est pas alimentée, mais fondamentalement... D'ailleurs, elle n'est pas alimentée, mais les trains s'arrêtent quand même. Allez savoir pourquoi. Ils sont peut-être obligés, je sais pas. Mais du coup, ouais, ça va être pas mal, là, je pense. On va avoir notre train comme ça. Et ça va être la grande classe. Cette île va être... Je pense que ça va être ma meilleure... C'est con, hein. Parce que même en solo, j'ai pas fait un truc aussi bien dans mes villes. Et après on pourrait éventuellement continuer la ligne de chemin de fer là-haut si après on continue ou avant on pourrait mettre une gare là-haut après finalement, mais on verra un peu plus tard parce qu'on n'y est pas encore, donc on aura l'occasion de voir un petit peu plus tard. Alors tout à l'heure j'ai vu une icône tête de mort là, du genre problème de mortuaire ou je sais pas. Bon, ça a l'air de s'être tassé, toujours pas assez de clients, donc on va continuer. Ici on a toujours nos... Alors ça c'est le niveau. Et on a la valeur du terrain qui est assez limite apparemment ici. Oh, ça va encore.
On va peut-être se... Ouais, on n'a pas de parc ni rien. On avait le centre des expositions, par contre, on avait un... Je voulais mettre un autre truc tout à l'heure, mais je me souviens plus. Aquarium et le... Ah oui, le centre des sciences, on va le mettre ici aussi, le centre des sciences. Est-ce qu'on peut pas se le mettre... Allez, là, j'ai vu qu'il passait. Voilà. Ah, c'est joli ce bâtiment aussi, là. Pourquoi il y a un R? Pour des... Des riricoptères. Je ne sais pas. C'est... Je ne sais pas pourquoi il y a un R. Si vous savez pourquoi il y a un R, dites-le moi. Ah, Research. C'est le centre des... Non? Centre des sciences. Bah, Research Center. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Bon, regardez un petit peu au niveau du trafic sur cette île. On a des problèmes ici. Oui, ici, ça, c'est une évidence. Et on a des problèmes ici aussi. Est-ce qu'on a des feux? Oui, on a des feux. Alors, temporairement, avant de mettre des transports, on va enlever les feux. Ici, on va enlever les feux. J'ai vu qu'il y en avait là aussi, je crois. Ouais, on va les enlever ici. Ça devrait améliorer un petit peu le tout. Et après, c'est ici. On va avoir des gros problèmes ici, je pense. Il faudrait voir éventuellement pour qu'on se fasse une sortie supplémentaire. Parce que là finalement c'est vrai que quand on arrive ici, le seul moyen de rentrer sur l'île... Ah ouais, en fait c'est complètement illogique. Parce que quand on prend cette autoroute là, le seul moyen de rentrer sur l'île c'est ici. Donc forcément ça va bouchonner. Donc je pense qu'il faudrait qu'on aménage autre chose. Je sais pas où exactement. Peut-être ici. À un endroit on a la place parce que ici ça va être tendu. Avec les lignes de chemin de fer ça va être assez tendu je pense. Quoique... Quoique... Quoique, quoique. Ah, je sais pas. Je sais pas, on va voir. On va voir, on va réfléchir, ça sera l'occasion du prochain épisode. Comme ça, alors, c'est pas un épisode trop gros. Du coup, bah c'est pas mal, hein, franchement, regardez. Ouais, c'est bien, je commence à être vachement content, là, de cette île. Et du coup, ouais, du coup, c'est cool. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Du coup, ouais. On a un bon truc. On a un bon... J'aime bien le système de chemin de fer, là, comme ça. On va voir un petit peu si ça marche ou pas, là. Hey. Waouh, 263. Stop. Viens ici, toi. Je vais suivre un petit peu son trajet. Ah, mais il dépose des passagers ici? Mais la gare, elle est... Il y a rien? Mais c'est quoi, cette affaire, là? Alors là, grand mystère. Bon. Bon, ça marche bien. Je suis content. On verra la prochaine fois un petit peu pour continuer à remplir. Et puis la prochaine fois, je pense qu'on va réfléchir. Dites-moi selon vous si c'est mieux de faire une sortie ici. Ou alors les deux. On peut en faire une ici et une ici finalement. Mais ici, j'ai un peu peur. Parce qu'on a déjà ici, là, quelque chose. Et finalement, en fait, ici, s'ils sortent là, ouais, c'est étrange parce que c'est un petit peu couillon. On va voir que s'ils peuvent sortir là, là. Si on fait ça comme ça ici, j'ai peur que ça fasse beaucoup de trafic ici. Par contre, parce qu'ils vont venir ici, fondamentalement, ils vont sortir là pour redescendre ici. Par contre, si on fait ça ici, c'est peut-être pas mal. Et après ici, ça risque d'être un peu mieux aussi. Bon, on va voir, je vais y réfléchir, on y regardera la prochaine fois aussi. D'ici là, bien, merci d'avoir regardé cet épisode 18, j'espère que ça vous aura plu. Je prends vos commentaires, comme d'habitude, j'y répondrai lors de l'épisode 19. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à en parler autour de vous, c'est très important. Voilà, merci à tous, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.